L'innovation hospitalière aujourd'hui est probablement au cœur de la problématique des hôpitaux. D'une part parce que nos organisations doivent être revisitées. On a une crise d'attractivité. Cette crise d'attractivité, elle est en grande partie liée au fait que nos organisations traditionnelles ne correspondent plus aux aspirations des jeunes professionnels de santé. Et puis d'autre part parce que le domaine de la santé est un domaine dans lequel l'innovation, elle arrive. Cette crise d'attractivité aujourd'hui, elle tient beaucoup au fait que les conditions de travail que les personnels trouvent dans les hôpitaux ne correspondent pas aux aspirations des jeunes professionnels, à ce qu'ils veulent retrouver sur le marché du travail. Et donc l'innovation est une des manières, pas la seule, mais c'est une des manières de mieux répondre à ces attentes. Alors, la génération Z, c'est une génération qui est née avec le digital, donc elle attend des solutions digitales simples, souples, avec leur smartphone, qui sont des solutions dans lesquelles les hôpitaux ne sont pas aujourd'hui toujours au rendez-vous. Et puis parce que par ailleurs, grâce à l'innovation, on peut leur permettre de retrouver du sens à leur travail, de retrouver du collectif, et ça, c'est deux valeurs, le sens et le collectif, dont les professionnels de santé ont besoin. Dans les 20 dernières années, il y a eu plus d'innovation dans le domaine de la santé que dans les 2000 précédentes. Donc il faut que nous arrivions à traiter ce problème en revisitant nos organisations, en tirant parti de tout ce qui peut arriver en termes d'innovation au service du patient, en faisant un levier de synergie et d'intérêt pour nos professionnels. Et c'est pour ça que nous investissons beaucoup dans ce domaine.